Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Grégory Zaoui, 50 ans, est considéré comme le cerveau de l'incroyable arnaque à la taxe carbone, arnaque qui a coûté au total plus d'1,5 milliard d'euros à l'État français. Il est l'un des témoins clés d'un documentaire Netflix sur cette affaire sorti début novembre. Et aujourd'hui, Grégory Zaoui se confie dans Code Source. Il nous retrace son parcours. Si nous lui avons donné la parole, c'est d'abord parce qu'il dit regretter le mal qu'il a fait à la société et aussi parce qu'il dit vouloir aider les autorités à lutter contre ce type d'arnaque à l'avenir. Son histoire est en tout cas édifiante. Il la raconte au micro d'Ambre Rosala pour Code Source. Je rencontre Grégory Zaoui quelques semaines après la sortie du documentaire Netflix « Les rois de l'arnaque », dans lequel il témoigne pour dire toute la vérité sur la gigantesque fraude à la taxe carbone. Il m'explique que depuis, il reçoit des milliers de messages sur ses réseaux sociaux et que sa participation au documentaire lui a permis de sortir un peu de son quotidien, rythmé par les rendez-vous avec sa conseillère de probation et d'insertion. Grégory Zaoui me raconte qu'il est né en 1971 à Pantin, en Seine-Saint-Denis, avant de s'installer à Aubervilliers avec ses parents et son petit frère. Il grandit dans un milieu plutôt modeste, avec une mère au foyer et un père qui cumule les petits boulots, travaillant comme boucher ou encore cordonnier. Je voulais totalement sortir de ce milieu. Je voulais gagner de l'argent. Je voulais aussi être artiste. Mais l'éducation que j'ai eue, mon père qui était quand même assez strict, j'ai pas réussi à surpasser de dire voilà, j'aimerais être comédien, acteur ou chanteur, je sais pas, enfin, faire un métier artistique. Donc j'ai préféré me résigner à faire du business, quoi. Quand il a 13 ans, le père de Grégory prend la gestion d'une salle de réception à Paris. Et il demande à Grégory de s'occuper des vestiaires contre un peu d'argent de poche. Grégory accepte et utilise cet argent pour monter un business dans la cour de son école, où ses camarades de classe deviennent ses premiers clients. Je me servais l'école comme support pour avoir mes clients. Et directement là-bas, je leur vendais des jeans Levi's que j'achetais chez le beau-père d'un ami à moi qui était grossiste en Levi's. Je m'approvisionnais chez lui, il était à Montreuil, et je leur vendais à l'école tous leurs pantalons à mes camarades de classe. J'ai commencé avec pas grand-chose, avec l'argent de poche que j'avais amassé. Je commençais avec 2-3 pantalons, et de fil en aiguille, 2 sont devenus 10, 10 sont devenus 20. Et puis après, je suis passé à d'autres produits dans le textile, d'ailleurs. Je leur vendais des bombers, des blousons en daim. Je me souviens, j'avais quelqu'un à Pantin qui était coupeur dans le cuir. Ça me permettait d'être totalement indépendant, de ne pas avoir demandé d'argent à mes parents, de pouvoir m'habiller comme je voulais, de pouvoir m'acheter un scooter tout neuf. C'était une période assez insouciante, où je voulais grandir très vite. J'étais heureux. Grégory arrête l'école en troisième parce qu'il développe une phobie scolaire, mais il continue ses affaires. À 16 ans, il demande à un ami d'enfance d'aller acheter pour lui des voitures en Floride, des Jaguars et des Cadillacs, qu'il revend ensuite aux enchères dans des hangars à Aubervilliers. Une fois majeur, il monte un nouveau business, plus florissant, mais beaucoup moins légal, de fraude à la TVA. Grégory achète des lots de téléphones portables hors taxes en Angleterre, les revend au Danemark, où la TVA s'élève à 25%, et encaisse la différence, sans reverser la taxe au fisc danois comme il le devrait. Il rencontre sa compagne à 22 ans, ils se marient et ont un premier enfant. Et à seulement 25 ans, Grégory a déjà gagné plusieurs dizaines de millions de francs grâce à ses combines. Je vivais comme un millionnaire. D'ailleurs, on a souvent rigolé. On m'appelait, à l'époque, il y avait une télé-réalité qui s'appelait Greg le millionnaire. C'était un peu mon surnom. Je vivais dans des beaux appartements parisiens. J'avais plusieurs très belles voitures. Je voyageais toujours en première classe. J'avais les plus beaux vêtements sur mesure. Enfin, j'avais tout ce qu'il y avait de plus beau. Ouais, enfin, en fait, ce que je fais, moi, vraiment, je mets toute ma famille à l'aise, quoi. Je les mets bien, ils vivent bien, ils partent en vacances tout le temps avec moi. Je leur achète des voitures. Ils manquent de rien. Je suis bienveillant avec toute ma famille. Voilà, j'essaye de faire du tant que je peux du bien autour de moi, en commençant par mes proches, malgré le mal que je faisais de l'autre côté. En 2004, quand il a 33 ans, Grégory est rattrapé par le fisc danois, mais jugé en France. Il est condamné à 3 ans de prison
Mais grâce à un ami qui lui paye ses 75 000 euros de caution, il sort au bout d'un mois et demi seulement, sans vraiment savoir quoi faire de sa vie. J'avais compris que la fraude fiscale m'a amené en prison. La prison m'avait, même si j'en avais pas fait longtemps, j'étais très très choqué, j'étais pas bien. Ça n'allait pas non plus très bien dans ma vie de couple. Il y a un tas de choses qui vont pas et je me disais, bon ça y est, il faut faire autre chose, il faut passer à autre chose. Grégory divorce. Il cherche à monter un nouveau business, légal cette fois-ci, et s'intéresse à l'écologie, qui est pour lui un secteur d'avenir. Il se penche d'abord sur le marché des panneaux solaires. Puis il entend parler du protocole de Kyoto et d'un nouveau marché des droits à polluer pour les entreprises. Pour limiter les gaz à effet de serre, des quotas d'émissions de carbone vont être alloués aux entreprises. Et celles qui n'émettent pas beaucoup pourront revendre leurs quotas aux gros pollueurs. Grégory voit tout de suite dans ce marché le potentiel d'un système de fraude à la TVA auquel les autorités n'avaient pas pensé, et qui est pourtant simple. Quand deux entreprises françaises s'échangent des droits à polluer entre elles, une TVA s'ajoute à la transaction. Mais ce n'est pas le cas avec une société basée ailleurs en Europe. Grégory se dit que s'il achète des quotas hors taxe à l'étranger et qu'il les revend, toutes charges comprises, à une société française, il pourrait alors garder l'argent de la TVA pour lui au lieu de le reverser à l'État français. Et il comprend qu'il peut se faire beaucoup d'argent. Quand je tombe sur ce truc-là du carbone, ça m'a redonné une forme d'espoir et d'ambition, surtout d'une autre vision de ma vie. C'était tellement énorme en termes de montant et de facilité. J'ai envie de le refaire. J'ai envie d'y aller et j'y vais. Avant de se lancer complètement, Grégory veut vérifier que son plan peut marcher. En 2007, il fait un premier test avec une société qu'il a créée spécifiquement pour cette fraude et achète pour 30 000 euros de quotas carbone exonérés de taxes à une société hollandaise. Il cherche immédiatement à les revendre à une société basée en France où la TVA s'élève à 20%. Je les mets en vente sur la plateforme et en quelques secondes, ils sont vendus et j'encaisse 30 000 euros plus 6 000 euros de TVA instantanément crédités sur mon compte. Si je décide de ne pas les reverser à l'État, j'ai fraudé 6 000 euros au fisc français en quelques secondes. Et là, je sais que c'est jackpot. En 2008, la machine est lancée. Grégory Zaoui est le premier à multiplier les transactions, empocher la TVA et envoyer l'argent sur des comptes à l'étranger. Mais rapidement, d'autres fraudeurs prennent son exemple et plus d'1,6 milliard d'euros de TVA sont ainsi détournés. Grégory reprend alors la vie luxueuse qu'il avait connue auparavant. Il rencontre sa nouvelle compagne et emménage dans un très bel appartement, avenue d'Iéna à Paris. Il multiplie les voyages aux États-Unis, où il achète un restaurant qui appartient à l'acteur Robert De Niro, à Beverly Hills. J'étais très proche de Christian Audigier, un homme d'affaires qui avait très bien réussi aux États-Unis et qui était proche de Michael Jackson. Donc on se rapproche et j'ai le projet fou de racheter la maison dans laquelle il est décédé, où il a passé le dernier moment de sa vie, associé avec Christian pour en faire un musée. Et moi, ce qui était encore plus fou, c'est que je voulais habiter dans cette maison. C'est-à-dire, je voulais vivre dans la maison de Michael Jackson, dormir dans la chambre où il vivait. Et c'était à ma portée, hein. C'était totalement à ma portée, mais c'était complètement fou. Grégory n'a pas le temps de concrétiser cet achat. L'État français se rend compte que de l'argent public s'évapore chaque jour. Et le ministère de l'Économie décide, en juin 2009, de supprimer la taxe sur les échanges de quotas carbone. 6 mois plus tard, le 3 décembre 2009, les douanes judiciaires frappe à la porte de Grégory Zaoui. 6h du matin, j'étais seul dans mon appartement parisien avec mes deux chiens. Au moment où il tape, au moment où il frappe à ma porte, j'avais 4 cartes SIM et je les jette aux toilettes. Sur les 4 cartes, il y en avait une seule que j'avais utilisée, où il y a tous les numéros que j'ai appelés à l'étranger. Et je fais pas gaffe dans la panique, il y a une des 4 cartes SIM qui va pas dans la cuve des toilettes, qui tombe par terre. Et malheureusement, pour moi, et heureusement pour les flics, c'est la bonne pour eux, la mauvaise pour moi, où il y a tous les numéros. Et les 3 autres, elles partent dans les toilettes, je leur ouvre la porte, et ils me disent, voilà, vous savez pourquoi on vient? Je lui dis, non, je sais pas. Bon, ils commencent la perquisition partout. Bien évidemment, ils tombent sur cette carte. La perquisition se poursuit, après on va dans mon bureau, rue du Faubourg Saint-Honoré, devant tout mon personnel. Et après, la garde à vue, et je comprends que c'est terminé, quoi. La partie est terminée. Après 48 heures de garde à vue, Grégory est incarcéré à la prison de la Santé, à Paris,
en attendant d'être jugé. La cellule, elle fait, je crois, 9 mètres carrés. On est 4 dedans, avec 2 doubles lits superposés, une grande table au milieu, 4 tabourets, un coin toilette et un lavabo. Et on est 4 à vivre dedans, dans des conditions très dures, avec des souris, 3 douches par semaine, aucun confort, pas de frigo, pas de plaque chauffante pour se chauffer à manger. Je perds beaucoup de poids, je perds plus de 20 kilos. Je mange pas. Psychologiquement, c'est épuisant. Vous voyez votre vie qui se désintègre. Vos proches souffrir. Vos enfants, vous ne les voyez pas grandir. Toutes les dates d'anniversaire, les réunions familiales, tout ça, vous ne les voyez pas. Vous n'assistez pas aux rentrées scolaires, aux fêtes de fin d'année. Je passe des moments difficiles. Après 20 mois de détention provisoire, Grégory est libéré en juillet 2013. Après avoir réglé une caution de 125 000 euros. La date de son procès est encore inconnue. À sa sortie de prison, Grégory essaye de reprendre le cours de sa vie. J'habite un autre appartement avec ma nouvelle compagne, avec laquelle j'ai eu un enfant, une petite fille, qui a été conçue en détention. Donc j'essaye de reconstruire une vie, de faire d'autres choses. Et là... toutes les affaires que je fais, je perds de l'argent. Je fais que perdre, essayer de vouloir rattraper ce temps perdu. Ma société parisienne n'existe plus. Je l'ai laissée, il y avait des millions d'euros en trésorerie. Je la retrouve avec des millions d'euros de dettes. Donc j'essaie de me reconstruire doucement, avec cette épée Damoclès sur la tête, en me disant qu'un de ces jours, il y aura les jugements et je serai condamné, je devrai retourner en prison. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un changement de magistrat. Mon juge d'instruction a changé. Et je tombe sur un juge qui décide d'augmenter la caution de 125 000 euros à 6 millions d'euros. Elle a été multipliée par 47. Et c'est à partir de ce moment-là, avec mon épouse, où on décide de quitter la France, parce que je risque de retourner en prison et de prendre la fuite. Grégory et sa compagne se rendent aux États-Unis. Mais en février 2016... cette dernière se rend discrètement à Paris pour renouveler son visa. À sa sortie de l'ambassade américaine, elle est arrêtée, puis emprisonnée. Grégory décide de se rendre 10 jours plus tard. Il est incarcéré à la prison de Fresnes et vit très mal sa détention. Il fait 2 tentatives de suicide. Grégory sort de prison en décembre 2016 et se sépare de sa compagne. En juin 2017, 3 mois avant l'ouverture de son procès, Grégory disparaît pour une deuxième cavale. Il est condamné, en son absence, à 6 ans de prison. Grégory Zaoui sait que la prison est inévitable, mais il veut purger sa peine dans les meilleures conditions possibles. Alors il a une stratégie. Il sait que la prison de la santé est en travaux et doit bientôt rouvrir, comme neuve. Il décide donc de se cacher à Paris et d'attendre la fin des travaux pour se rendre. Ils pensaient tous que j'étais en Israël ou ailleurs, enfin je sais pas. Ils avaient fantasmé sur ma cavale alors que j'étais à Paris. Je me déplaçais en scooter électrique de manière totalement discrète. Et très souvent, je passais devant la prison de la santé, parce que j'habitais à côté, j'habitais le 13e, pour en regarder l'avancement des travaux, parce que je savais que c'était là où j'allais finir. Je m'habille de manière assez sombre, j'ai une casquette sur la tête, je rase les murs, je fais très attention à tout ce que je fais, plus de téléphone. Plus d'emails, je coupe toutes les communications possibles où on peut me remonter, m'identifier, parce que je sais que je suis recherché. Et ça fonctionne, quoi, parce que je suis hyper, hyper, hyper prudent, très discret, à attendre le bon moment de me rendre. Je décide de me rendre le 6 février 2019. La prison de la santé a ouvert début janvier 2019. Ma fille, la petite, la dernière, avait son anniversaire le 21 janvier. Donc ce que je voulais, c'était l'embrasser pour son anniversaire et après me rendre en détention. Mon avocat avait dit à Patrice Amar, le procureur de la République, il m'a dit voilà, il va se rendre le 6 février à 10h, ça ne sera pas le 5, ça ne sera pas le 7, il sera là. Ils n'y croyaient pas. Le 6 février, mon fils m'a accompagné avec 2 gros sacs, avec pas mal d'affaires dedans, comme je savais que je partais pour quelques années. Et je me suis rendu dans le bureau du procureur du parquet national financier. J'étais dans ma tête, j'en pouvais plus. Entre les procès, la cavale,
la détention de Fresnes, les 18 mois de cavale à Paris, je voulais en finir. Puis le 7 février, donc je suis à la prison de la Santé. Ma première promenade, il faisait très froid, très beau ce jour-là, et je sors en promenade, je regarde le ciel, je me dis ça y est, je suis libre. Après un an et demi de détention, Grégory sort de prison en août 2020, parce que le juge a estimé qu'il avait fait des efforts d'insertion tout au long de sa détention. Il finit aujourd'hui sa peine chez lui, sous bracelet électronique, et paye 400 euros par mois à l'État. Grégory Zaoui sait qu'il n'aurait pas assez d'une vie pour rembourser ses dettes, qui s'élèvent encore à plusieurs millions d'euros. Mais il espère se racheter autrement, en proposant par exemple ses services à l'État pour lutter contre la fraude financière. J'ai envie d'être utile aujourd'hui. Voilà. J'ai envie d'être utile pour mon pays. J'ai envie de me racheter. J'ai envie d'effacer ma dette totalement. Voilà. J'ai envie de réparer mes fautes, passer à autre chose. Je pense que je ne me suis jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui, parce que j'ai plus peur. J'ai plus peur de me dire, il m'attend ça, il m'attend des années de prison, je suis dans l'illégalité, donc un jour il va y avoir un problème. Et puis sans faire du démagogie aussi, le mal que vous faites à la société, ça vous ne pouvez pas l'oublier non plus, il faut prendre ça en considération, vous êtes quelqu'un de pas bien. Quoi. C'est... Donc non, je vais mieux, ça, je vais beaucoup mieux. Le montant de cette arnaque à la taxe carbone est pharaonique. Il y avait plusieurs groupes d'escrocs. Préjudice total pour l'État français estimé, on l'a dit, à plus d'1,5 milliard d'euros. Et il y a eu aussi plusieurs meurtres dans les années qui ont suivi. Oui, il y a eu plusieurs meurtres liés à cette affaire de la fraude à la taxe carbone. Mais Grégory Zaoui, lui, m'a dit et m'affirme n'avoir aucun lien avec ces assassinats. D'ailleurs, la justice ne lui a jamais rien reproché de ce côté-là. Et pour lui, ce sont des meurtres qui ont eu lieu dans d'autres groupes d'escrocs et non pas parmi ses proches. Comment est-ce qu'il a vécu la sortie du documentaire Netflix le 3 novembre, documentaire Les Rois de l'arnaque, qui raconte cette histoire et dans laquelle il apparaît ? Alors, il m'a dit qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que le documentaire marche aussi bien. Depuis sa sortie, Grégory Zaoui m'a dit qu'il avait reçu des milliers de messages sur ses réseaux sociaux de gens qui lui ont dit que le documentaire leur avait beaucoup plu. Et ce qu'il m'a raconté, c'est que beaucoup d'entre eux le félicitaient pour ce qu'il avait fait, pour cette gigantesque fraude qu'il a mis en place. Certains le comparent même parfois à Robin des Bois. Et Grégory Zaoui m'a dit qu'il leur répondait à chaque fois pour leur dire que non, ce n'était pas Robin des Bois, que cet argent, il l'avait escroqué et qu'il l'avait fait pour lui et pour sa famille et surtout qu'aujourd'hui il regrettait de l'avoir fait. Ambre, Grégory Zaoui dit vouloir aider le gouvernement dans la lutte contre les escroqueries. Aux dernières nouvelles, il n'a pas eu de réponse. On dirait qu'il se cherche en fait aujourd'hui. Oui, en fait, il essaye de rebondir après toutes ces années de cavale et de prison. Aujourd'hui, il m'a dit qu'il aimerait faire donc des conférences sur le sujet des fraudes financières, mais aussi, pourquoi pas, revenir à sa première passion avec une carrière artistique en devenant acteur, par exemple. Ça lui plairait beaucoup. Merci Ambre Rosala et merci à Vincent Gautrono et David Di Giacomo pour leur aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, Sarah Amni et Clara Garnier-Amourou. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.